Les amis, aujourd'hui on va tester un challenge de fou sur Minecraft. En fait le concept il est simple, on a pris tous les blocs de Minecraft qui existent, donc ça en fait quand même un sacré paquet, et on en a fait un parcours. Et le but aujourd'hui ça va être de sauter sur chaque bloc de Minecraft et bien sûr essayer d'arriver jusqu'à la fin. Donc est-ce que je vais réussir ou pas? La réponse tout de suite, maintenant on balance l'intro et on y va. Donc on est parti, regardez, on a 1 milliard de blocs qui sont devant et ça fait un peu only up, hein, en vrai de vrai, quand on regarde ça fait un peu only up. Et le but, bah il est simple, au début, c'est relativement tranquille. Ouais, ou pas en fait. En fait, je suis vraiment obligé de sauter bloc par bloc. Si t'essayes de tricher et de passer 2 ou 3 blocs en même temps, eh ben c'est mort, regardez, le jeu fait exprès. Hop, tu ne peux pas. Donc on va d'abord faire tranquillement, hein. Hop. Voilà, par contre, moi... Ah non, oh, ça va vraiment être super chiant, ça va être super dur. Surtout que moi, j'ai jamais été très fort. Autant dans les hobbies de Roblox, ça va, je me débrouille. Mais je me souviens qu'à l'époque, je faisais beaucoup de parcours Minecraft. Et ben j'étais très nul. Voilà, j'étais clairement très nul. Mais bon, on sait jamais, attends. Peut-être que par rapport à avant, comme... Il y a eu du temps qui s'est écoulé. Je vais pouvoir gérer. Donc effectivement, par contre, c'est vrai que je fais pas attention là depuis tout à l'heure parce que je me concentre. Mais effectivement, on a un bloc différent à chaque fois. Donc on peut passer de la cobble à du bois, à du diable. Enfin bref, il y a vraiment tous les blocs. Ok, je suis revenu ici. Je suis mort à peu près là. Le petit bloc de dirt, le bloc le plus basique de Minecraft. Là, c'était le dirt, la dirt zone. Et regardez, j'ai quand même déjà fait un petit peu de chemin quand même. J'ai tout ça jusque là-bas. Je sais pas du tout si je peux y arriver. Ça a l'air tellement difficile, bordel. Quel challenge de zinzin. Et non, je suis tombé. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Ok, je suis tombé ici. On est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour. Au moins que j'arrive à aller jusque là. Tu vois, ici, on commence à monter tout ça. Là, je me sentirai avancé parce que là... Là, c'est vrai que c'est chaud. En plus, j'ai l'impression des fois d'avoir du savon sous mes pieds. Oh, là, ça devient chaud parce que là, je suis obligé de sprinter à chaque fois que je saute. Ça devient compliqué. Mais ça passe, regardez, je commence à monter un peu. Je commence à prendre de la hauteur. Oh là là, ça ne rigole. Non! Tu vois, j'ai pris la confiance. J'ai commencé à m'exciter et tout en me disant, ouais, je suis trop chaud. Et je viens de tomber littéralement. Je suis tombé 4 étages, 20 étages. Non, en fait, je suis tombé juste de 3 cubes. J'ai le seum. Regardez, les amis, où est-ce que je suis maintenant par rapport à tout à l'heure? J'ai encore un peu avancé. Mais je suis en panique. C'est la panique. Non, mais c'est tellement difficile. En fait, dès que tu commences à arriver, oh, regardez d'en dessous, regardez tous les blocs qu'il y a. C'est un truc de fou, ouais. Je sais abuser. Oh, vous doutez bien que j'essaye de revenir à chaque fois là où j'étais. Plus ou moins. Oh là là. Là, je vais vraiment prendre de l'élan de fou. Parce que regardez la dinguerie qu'il y a devant nous. Je dois sauter sur celui-là. Ensuite, sur celui-là. Arriver là, il y a un fucking cactus et des plantes pour aller jusque-là. Mais en vrai, si je passe ça, j'aurais passé plus ou moins, on va dire, la première partie de la map. Vous êtes prêts? Non! Ça a l'air tellement dur! Zéro van, j'ai tenté je sais pas combien de fois avant d'y arriver. Mais c'est bon. Juste pour ça, pour un cube, pour un bloc. Mais non, ne me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Oh, j'ai réussi. Je pensais que j'étais en train de tomber. Je pensais que j'étais en train de tomber dans les ailes. Non, encore un énième fail. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, là c'est bon. Une fois que j'ai passé ça là, on va pouvoir ramasser un petit peu. Je passe le cactus. Ah ah ah, le cactus qui fait mal. Il me fait très très mal, c'est un zinzin ce cactus. Ok, là je me laisse juste tomber. Non, mais j'avais juste quand même laissé tomber. Regardez le rythme. Eh, je vais en péter un câble dans cette vidéo, j'en peux plus. Et le pire c'est que je suis même peut-être même pas à 3% du parcours. C'est un truc de zinzin. Le mec qui a fait cette map, il voulait tous nous faire. Clairement, il voulait nous rendre fous, c'est sûr. Allez, en rythme. En rythme. En rythme. Ok, ok. Là, je vais là. Oh là, c'est que des gros jumps de zinzin. Là, je me transforme en kangourou, mon pote. Je suis un kangourou de Minecraft. Je suis là. Non, je suis tombé. Non, je pensais que j'étais... Je pensais que j'étais posé sur mon bloc. En fait, des fois, tu sais pas, genre, tu vois que du vide. Donc forcément, des fois, tu sais pas si t'es tombé ou pas. Bah, je suis tombé, là. Bien bas, d'ailleurs. Allez, ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ensuite, celui-là. Là, on est tout ce qui est ressources. Diamant, redstone. Ah, ok, bon, ça, c'est une ressource que vous connaissez pas, les amis. C'est dans une prochaine mise à jour de Minecraft. Mais moi, je le sais, en fait, on avance. Ok. Oh, parlant d'avance, j'avance, là. J'avance bien, même. Oh. Ok, ok. 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 On est bien, là. Eh, franchement, j'enchaîne comme Professeur Shane de Pokémon. Oui. Je dis de la merde. Mais là, ça me permet d'être fort, en fait. Je suis bon, là. Oh, oui, oui, oui. On est bien, là. On est bien. L'hélène. Maintenant, c'est l'hélène. L'hélène de mouton, là. Hop. Non. Non, les moutons, ils m'ont eu. Les moutons, c'est de leur faute. Ça a toujours été de leur faute, de toute façon. Oh, j'ai de la merde, en fait. J'essaie juste de reporter la faute sur quelqu'un. J'ai juste nul. Oh, mais attendez, j'avais pas vu. Regardez, il y a un lit là-bas. Vous pensez que c'est un checkpoint? Oh, oui. Si c'est un checkpoint, je serai l'homme le plus heureux du monde. Je serai le Minecraftien le plus heureux du monde. Allez, il faut atteindre ce lit. En plus, je suis fatigué. J'ai besoin d'une bonne sieste pour me requinquer. Allez. Oui, l'Hélène. Oh, oui, l'Hélène. Ok, 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 ok.
Ah non, mais pourquoi? Comment j'ai pu me rater là-dessus? Eh, par contre, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de chemin, là, mine de rien. C'est juste une impression, en fait. C'est juste que tout me paraît tout petit, mais d'en bas. Mais je suis sûr, il reste encore un milliard de blocs, j'en peux plus. Ok, c'est bon, j'ai passé le bleu, passe la laine brune. Oh, attention, parce que là, je suis en train de m'emballer un peu. Oh, oui, je suis presque au lit, mais attends. Quel bloc est où? Je dois atteindre celui-là ou je dois atteindre le... Non, je pense que je dois atteindre le bloc en face. Je dois atteindre le bloc en face. Oui, c'était sûr. Et là, si je vais sur le lit, oui, point de réparation défini. Let's go, maintenant, je vais pouvoir apparaître ici sur le lit. Magnifique, magnifique, ça, c'est parfait. Du coup, je vais tenter même un truc de zinzin, regardez. Ouh, non, dommage. Par contre, on peut voir effectivement si le lit est bien point de repère. Si c'est pas un point de repère, par contre, je vais péter un câble. Please, le lit, oui, c'est bon. Donc, il y a quand même des checkpoints dans la map, ça, j'avoue. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais de la merde. C'est comme ça qu'il faut sauter, voilà. C'est comme ça. Bon, je suis content. En vrai, au moins, ça me rassure un petit peu. Je sais que toute cette galère n'a pas servi à rien. On a enfin atteint un premier checkpoint qui est le Saint-Lit. Hein. Le Saint-Lit qui est clairement notre meilleur pote hein, dans cette map, c'est sûr. Par contre, on commence de nouveau à être dans une zone vraiment compliqué. Là, la brique là, elle va me rendre fou, je pense. Elle va tellement être galère, frère. Par contre, il reste encore tellement de blocs. Tellement de blocs. Ok, ok. Celui-là, attends, il est un peu haut quand même. Donc, faut pas le prendre à la légère non plus. Voilà, celui-là non plus. En fait, faut rien prendre à la légère. Je pars du principe que là, on est arrivé à un stade du parcours où ça peut vraiment être galère sur chaque bloc qu'on en face de nous. Ok, là on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On tient un truc, on tient clairement un truc. Ok, là on arrive dans des blocs vénères là. Regardez ça, on a carrément un spawner mon pote. Et là maintenant je vais sauter sur une bibliothèque. Non, la bibliothèque, les livres qui ont fini par m'avoir. Mais non, pourquoi, pourquoi? Coupé. Bon ici je vais juste tenter un petit saut. Voilà, ensuite là un saut un peu plus grand. Là pareil, petit saut, un peu plus grand. Là, middle saut on va dire. Ok, on arrive au niveau des pumpkins. Oh, les citrouilles. Les citrouilles. En plus, ça tombe bien parce qu'on est bientôt Halloween. La pastèque. La terre, je sais même plus c'est quoi comme bloc ça. Imaginez ceux qui faisaient le parcours au début, là, dans les premières années de Minecraft. Le nombre de blocs en moins qu'il devait y avoir, ça devait être une zinzinerie, moi, je vous le dis. Ok. Et là, je suis bien, là. Je suis très, très bien, là. Je suis très, très bien. Oh oui, ça, c'est un bon petit escalier comme on les aime. Oh là 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 là, regardez ça. Est-ce qu'il y a un lit pas loin ou pas d'ici? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a un lit. J'aimerais bien qu'il y ait un lit, mais il n'y en a pas. Oh oui, 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 oui. On est bien là. Là, je trouve ce passage un peu plus simple. Hein. En vrai, de vrai, j'ai bien fait de réussir enfin à passer la bibliothèque. Mais depuis la bibliothèque, ouais, je trouve que c'est un peu plus chill. Je pense que c'est pour te laisser le temps de respirer un peu. Oh oui, je me suis cassé une jambe, mais c'est pas grave, ça en valait la peine. Oh là, la glace, la glace, la glace. Attention, attention avec la glace. Hein. Je suis tellement stressé que je fais des mouvements de fou. Oh, oh oui, ok. Oh là, ça a l'air d'être toujours la même chose. Allez, voilà, là on prend notre temps. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop, ok, pas mal, pas mal, pas mal. Et on a fait un sacré parcours quand même depuis la bibliothèque, je trouve. Ah, pourquoi je dois remonter maintenant tout ça? Oh, je dois remonter tout ça là. Je vais atteindre les cieux. Oh là là là. Ok, ok, là c'est bon. Ça c'est bon aussi. C'est validé, mesdames, messieurs, c'est validé. On continue de monter, petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Je suis pas mal, là. Je suis en détente, même, s'il faut... Les yeux fermés. Bon, j'abuse quand même peut-être un peu, là. Je vais me faire karma dans pas très longtemps, mais finalement, je redoutais ce passage et je m'en sors comme un chef. Ah. Et... Non! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la pire erreur. C'est la pire erreur que je pouvais faire. Je vais revenir au lit. J'ai pas envie de revenir au lit. Allez, oui, c'est bon. C'est bon. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous, bande de blocs. Vous allez pas me perdre débloqué. Excellent. Ah. Et c'est... Oh, c'est tranquille ici. Oh, c'est tranquille. Pourquoi s'exciter au final? Pourquoi stresser? Regarde. Hop. Voilà. Voilà, là on est bien. Là on est même très très bien. On repasse sur des blocs où il faut sauter très très haut. Genre comme ça, tu vois. Parfait. C'est l'arc-en-ciel de couleur. Oui. Re-oui. Oh là là, ça me fait stresser de zinzin. Ça me fait stresser. Mais je suis bon là. Le stress me rend plus fort. Voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Prenez-le comme une force. Oui. Oui. Oh, ça finit jamais là-haut. J'ai vraiment atteint les cieux là finalement. Je pensais avoir vu un lit bleu, mais non, en fait c'est un cube bleu. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum, ça se finit jamais. Y'a combien de blocs dans Minecraft, bordel? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Non, le vert, le bloc vert. Non, regardez-moi ça. On voit tout le chemin des blocs de couleur qu'il y a. Il est énorme. Oh, mais regardez, y'a un lit là. Y'a un lit. Y'a un deuxième checkpoint. Oui, je veux atteindre ce lit, please. Le vert du coup. Ok, le vert c'est bon. Le rose. Noir. Le gris.
bleu. Violet. Oui. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, mon pote. Pas mal, mon pote. On va l'atteindre, ce lit, moi, je vous le dis. On va l'atteindre, ce lit. Je passe le bloc de verre. Ici. Et on atteint ce lit. Oui, enfin, je dors. Let's go. On me fait dormir que la nuit durant les orages. Je m'en bats les reins. C'est un checkpoint, mon pote. Moi, c'est tout ce que je voulais. C'est un bon lit. Voilà, je peux mourir en étant serein. Là, ça fait plaisir, tu vois. On atteint le deuxième lit. Ça fait plaisir. Par contre, il faut quand même, voilà, réussir à revenir sur le chemin. Hein, parce que c'est bien beau d'atteindre le lit. Mais on a tout un parcours encore à faire qui est interminable. Je n'en peux plus. Je suis en train de devenir complètement fou à cause de cette map, de ces blocs-là qui... Faut que je me calme, faut que je me calme. C'est lui qui me pose problème, hein. C'est lui aussi, là, qui me pose problème. Il me pose tous problèmes, ces blocs. Oui. Ok. Je vous assure, c'est tellement stressant. Essayez, hein. Essayez le challenge. C'est tellement dur. Mais ça passe, là. Là, je gère. La technique, je regarde mes pieds. Même si j'en ai pas, au final, là. Ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. C'est validé, mon pote. Hop. Oui. Oui. Oh, oh, c'est quoi ce truc de zinzin là? Oh, oh, je vais devoir passer en mode équilibriste. Oh, ok. Bon, ça, ça va. En vrai, ça passe. Faut juste être prudent, tu vois. Oh, mais c'est bon. C'est validé. Aïe! Aïe! Oui, y a pas à me brûler les yep comme ça. J'ai rien fait, monsieur. Ouais, pourquoi faire des trucs comme ça? Ok, attends. Là, je prends mon temps. Parce que, tu vois, si tu commences à t'emballer, à faire le ouf, tu vas te faire karma. Oh non, je sais même pas ce que c'est. C'est un tas de feuilles, frère. J'ai une vieille touffe là et ça m'a tué. J'en peux plus. Libérez-moi de ce challenge horrible. Ok, les feuilles. Ok. Ça, c'est simple en fait, les feuilles. C'est simple. Comment j'ai pu mourir là-dessus? Là, il y a de l'eau. On va faire attention parce que même si tu te dis ouais, c'est de l'eau, il y a peut-être moyen de remonter. Non, on sait qu'on pourra pas remonter. Minecraft, tu peux pas t'accrocher au cube, donc on va éviter de faire de la. Oh, les salauds. Oh. Oh non, les salauds. Ils m'ont mis des pièges. C'est un truc de fou. Normalement, j'ai quand même du rab. Comme vous pouvez le voir. On voit que j'ai quand même la place. Comme si c'était un cube. What? C'est quoi ce... Je suis en train de casser des œufs là. Ok. Je sais pas pourquoi il a pété l'autre de tout à l'heure. On retourne dans l'eau. Non, on retourne dans le vide surtout, on retourne dans le vide. Oui. En avant, oui. Oui, non. J'ai enfin accès à ces blocs là, qui eux ont l'air d'être plutôt sympas et pas trop durs en vrai. Je pense que ça va au calme. On a les feuillages. Ok. Des fois j'ai l'impression d'aller super vite, c'est une sauvagerie. Ok. Dans l'herbe là, ouais, je suis clairement dans l'herbe, je vois rien, c'est une dinguerie. Ah, les feuillages, c'est trop perturbant. Oh non, attends, non, je suis en train de m'enfoncer, je vois ma mort défiler. Sauf si j'arrive à atteindre la fleur, please, dis-moi que j'arrive à atteindre la fleur. Non, la fleur elle me dit ciao, mais ça passe. Les petites fleurs m'ont l'air d'être plutôt cool, parce que mine de rien, ça prend la place d'un cube, donc c'est juste des petits sauts assez basiques. Final. Donc les fleurs, je vous aime, je vous le dis, je vous aime. Les champignons, pareil. Surtout dans les omelettes, c'est très bon. Hop. Nouveau sorte de feuillage. Et on arrive ici. Là, on a un bout de bambou. Ouah, mais non, il y avait les je sais pas quoi là. Bon, j'en peux plus les amis, en vrai j'en peux plus. Ça fait une heure que je suis là-dessus, je n'en peux plus. Je dois admettre que ce challenge est vraiment très difficile. Si vous voulez vraiment que j'essaye d'aller jusqu'au bout, on peut peut-être tenter de se le faire lors d'un live ou quoi. Mais là, j'ai bu encore tout ce qu'il y avait au bout. Frère, j'en peux plus, c'est bon. Mentalement, c'est vraiment chaud en vrai. Hein. Pour ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout, je vous dis respect parce que c'est vraiment compliqué. Là, ça fait une bonne heure que je suis en train de tourner, que je suis en train de me rendre fou avec ce parcours. Mais là, mentalement, je sens que j'en peux plus. Il faut que je m'arrête. En tout cas, le concept est vraiment très original et vraiment sympa. Mais il faut s'accrocher. Hein. Vraiment, il faut s'accrocher de fou. Les amis, j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi, mon but en ce moment, c'est d'essayer de vous faire un petit peu plus de Minecraft et de découvrir un petit peu des maps originales, des modes originaux qu'on peut faire et on peut se marrer. Là, j'avoue que c'était plus une map pour péter un câble. Ça m'a vraiment fait péter un plomb. En tout cas, je sens que je suis lessivé. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis quand même content parce que j'ai atteint des lits, j'ai atteint des checkpoints. Peut-être que j'étais à la moitié du parcours, mais c'est tellement difficile, frère. C'est tellement difficile. Il faut vraiment s'armer de patience et de persévérance. Mais là, c'est bon, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, les amis, si c'est
c'est le cas, vous me dites tout ça dans les coms. Bombardez la barre des likes, abonnez-vous, activez la cloche notif. Et on se retrouve de toute façon très vite pour plein d'autres vidéos. Et peut-être d'autres vidéos de Minecraft si ça vous intéresse. On se retrouve très bientôt dans tous les cas. Allez, c'était votre Tweet Kadam. Ciao, ciao.